premier renregistre mangue. Je trouve qu'il y a quelque chose de sacrément drôle à propos du temps, c'est qu'on est sûr que ça existe. Et à certains moments, ça peut même nous faire peur. On le voit partout. Chez nos amis, chez soi-même, dans notre famille, les personnes les plus âgées. Mais sacré mirage, parce que au final, je pense que je suis anxieux ou triste seulement quand j'échoue à sublimer l'instant présent. Alors yes, je fais pas une vidéo qui va révolutionner la philosophie, mais note pour moi-même, je trouve ça sacrément positif. Il n'existe que maintenant. Donc il ne dépend que de moi de ne plus être dépendant de ce qui ne dépend pas de moi. Alors, j'aime bien prendre mon temps, et la plupart de ce temps, j'oublie qui je suis. C'est comme une version de moi-même qui n'a pas vraiment peur. Une vie de chat. Peut-être que les humains devraient arrêter d'essayer d'expliquer leurs émotions au lieu de les ressentir. Peut-être qu'on apprécie mieux l'expérience d'une pensée par opposition à la pensée d'une expérience. Je pense que oui. En fait, vu qu'il n'y a vraiment que maintenant, j'ai décidé un jour que dès que me sera donné le sol et la musique, alors que j'ai la santé et que je peux entendre la musique, je danserai. Ne pas le faire pourrait être le regret de toute ma vie. En fait, vu qu'il n'y a vraiment que maintenant, on peut sans cesse recommencer de vivre. Ouais, ça fait beaucoup. Philosophique le kiki. Je crois que je vais essayer d'abord. Bref, tirage de rideau, fin du spectacle. J'y retourne. Bisous.